Bon, alors je vais sauter le connecteur de ce machin en essayant de ne pas me cramer les doigts parce que c'est vraiment petit. Merde, j'ai fait une petite connerie. Voilà. Hop, alors on va zoomer pour montrer un peu qu'est-ce que c'est que ce nouveau petit gadget. Hop, je déballe le deuxième, parce qu'évidemment j'en ai acheté deux. C'est en fait tout simplement une petite carte avec un microcontrôleur à tétiny. Donc c'est plus ou moins fait pour être utilisé un petit peu comme un Arduino, quoi. Mais c'est carrément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit qu'un Arduino. Alors ça se voit à la taille de mes gros doigts, évidemment. Ou à la taille d'un Arduino que je mets en référence dessous, là. Un Arduino Uno, qui fait quand même cette taille-là. Donc si on doit comparer, ça fait un 1/9 de la plaquette Arduino. Donc évidemment, il y a beaucoup moins de connecteurs, hein, puisque là, les connecteurs sont numérotés de P0 à P5, soit 6 connecteurs. 6 entrées sorties, le reste c'est un plus 5 volts et une masse. Alors c'est pas tout à fait aussi souple qu'un Arduino, hein, forcément. Mais c'est quand même très efficace. Donc ce programme exactement comme un Arduino, avec interface Arduino, avec les petits ports USB ici. Voilà, avec la mise au point, ça marche beaucoup mieux. Quand elle ne m'emmerde pas. Hop, si je bouge un peu mon support, non. Voilà. Donc c'est juste la petite puce à 8 broches là, le microcontrôleur. Le reste, c'est que des alimentations pour justement le contrôler. Lui injecter un programme. Voilà ce que c'est que le ATTiny. À plus.